America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نبديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marie Mabdou pour vous accompagner au micro. L'Iran célébrait ce mercredi 17 avril la journée de l'armée, une occasion pour rappeler que Téhéran apportera une réponse féroce en cas de riposte israélienne sur son sol, indiquent les autorités du pays. Durant la cérémonie, les forces armées iraniennes ont présenté un grand nombre d'équipements récemment développés, dont des drones suicides et des missiles balistiques de longue portée. L'opération iranienne du 14 avril dernier a fait vaciller la gloire du régime sioniste, a affirmé le président iranien Ebrahim Raisi en participant au traditionnel défilé militaire qui s'est tenu sur la base à la périphérie de Téhéran. Ali Barari, haut responsable des affaires étrangères iranien, appuie le propos. Ils ne doivent pas répéter cette erreur, parce que la répétition d'une erreur est généralement ce qu'ils attendent. Les sionistes doivent savoir qu'ils n'auront pas 12 jours. La réponse qu'ils reçoivent n'est pas mesurée en jours ou en heures, mais la réponse sera très rapide et se fera en moins de quelques secondes. Dans une énième rhétorique, l'ONU, par la voix de son secrétaire général, rappelle que le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les peuples de la région sont confrontés aux dangers réels d'un conflit dévastateur à grande échelle. Full-scale conflict. Avec nous en ligne, à partir de Londres, Monsieur Kazem Vadier, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate et ancien ministre iranien. Monsieur Kazem Vadier, comment lisez-vous ou avez-vous lu la riposte iranienne? Ce que je vois dans le dernier geste de Téhéran, c'est attaquer d'une façon spectaculaire. Ce n'était pas la guerre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des oiseaux de Ababil. Oui, Toyur Ababil. Exactement, ils ont inspiré de cette histoire historique pour battre les propagandes à la fois occidentaux et des Israéliens. Il faut voir qu'ils ont utilisé 300 drones, mais sur 300 drones, ils ont partagé, c'est-à-dire entre Houssi et ensuite Hezbollah, et puis Bagdad et la Syrie, et bien sûr à l'ouest de l'Iran. Dans ce cas, vous voyez que c'était une démarche militaire partagée de l'Iran, avec des minimums de dépenses. Les Iraniens, qui sont un peuple qui regarde toujours le ciel, ils étaient très contents de voir dans le ciel les étoiles filant qui étaient des drones et qu'on a prétendu qu'on a abattu 99%, c'est pas vrai, c'est 170. 170 alors, drones, vous nous dites 170 drones sur une totalité de près de 300. Voilà, c'est ça. Vous connaissez mon point de vue. J'avais défendu la politique étrangère, la politique de mon pays. Oui. Mais n'oublions pas que l'Iran n'a qu'un problème. M. Trump a retiré la signature des États-Unis, le traité de 2015, pour avoir la possibilité de vendre son pétrole. Mm-hmm. À partir de ça, l'Iran, il dit, bon, si vous voulez négocier, si vous voulez la paix, si vous voulez vraiment comprendre le fond du problème de ce pays qui avait 80 millions, il est sous une sanction incroyable. Dites-moi pourquoi vous avez retiré et vous avez fait des sanctions.
partie de ça, c'est pas moi qui a souffert. J'ai assez d'économies, mais c'est le peuple qui a souffert. Je ne peux pas lâcher ce peuple qui a fait la révolution avec moi. Voilà le côté de l'Iran. Le côté de l'Occident, ils ont peur de quelque chose qui s'appelle la bombe atomique. La bombe atomique depuis Khomeini était interdite. Absolument. Par la religion. Mais l'Iran, il dit, si vous continuez à jouer les jeux de sanctions, à l'occasion, je n'hésite pas. Mais l'Iran n'aura jamais la bombe atomique, il l'utilisera jamais. Et si jamais il arrive par la folie internationale quelque chose, que ça soit une nécessité, il y a des bombes à Pakistan à acheter, il y a Corée du Nord et il y a les autres. Même il y a des gens qui sont prêts à vendre à des matins. L'Iran a juré, Khomeini a promis, Khomeini a répété, nous ne voulons pas ça. Mais si vous commencez à faire des propagandes, de matin au soir, tuez les chefs, oubliez que nous sommes dans un pays révolutionnaire encore. Quand vous tuez quelqu'un, il y aura des dizaines de volontaires qui le remplacent. Monsieur voilà. Kazem Vadier, l'Iran refuse d'utiliser ce que l'on appelle la bombe atomique pour des raisons religieuses ou parce que c'est inscrit dans la constitution iranienne? C'est ça, c'est par la religion et parce que ça sert à rien. Une bombe atomique, ça sert à rien. Ni pour celui qui le jette, ni pour celui qui le reçoit. Donc, c'est un arme fantôme. Monsieur Kazem Vadier, avant la riposte iranienne, les États-Unis ont été avertis. Le gouvernement iranien était en rapport avec M. Biden que l'Amérique n'attaque pas l'Iran et l'Iran n'attaque pas l'Amérique. Absolument, parce qu'il y a des négociations et des intérêts mutuels. Les Iraniens sont majorité et minorité sont mécontents. Oui. Il y a des gens qui disent vous l'avez reconnu, cette révolution. Mais vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est cette révolution. Vous êtes en train de nous punir de matin au soir. Et le peuple me demande de résister. Mm-hmm. Le gouvernement iranien est obligé de résister. Mm-hmm. On menace qu'on repère les chefs de Pasdaran, c'est-à-dire gardiens des valeurs en révolution. Eh bien, vous tuez une dizaine, il y aura des centaines. Parce que la base ne change pas. La meilleure façon, c'est d'engager une négociation comme 2015. Et puis, arriver à une négociation pour une fois, pour tous, débarrasser de cette hypothèse bombe atomique iranienne. Après, vous allez voir que l'Iran devient un pays pacifique. Monsieur Kazem Vadier, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a évoqué une réponse légitime de l'Iran. L'attaque de la section consulaire iranienne à Damas le 1er avril a conduit à une riposte iranienne. La Russie et la Chine font bloc derrière Téhéran, à l'opposé de Washington qui a une position timide, à l'opposé également de plusieurs pays européens qui demandent une accentuation des sanctions supplémentaires. Comment réagissez-vous à cela? Je suis sûr et certain que ni la Russie, ni la Chine, ni aucun pays ne conseille pas à l'Iran de continuer à avoir une bombe, continuer à aller vers la guerre, jamais. Qui a battu l'Iran d'abord? C'est l'Israël qui a battu en Syrie l'ambassade. Et l'ambassade fait partie du territoire national. Oui, absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir qui a commencé la guerre. Sinon, ça sera une rhétorique. Ce qui se passe aux Nations Unies, les commissions, les titres, les commentaires, partiels ou impartiels, ça sert à rien du tout. Mmh. Il faut aller directement vers négociation. Mais imaginez que l'Occident ne prend pas le sens sur ce qui se passe. Regardez les grandes théoriciennes américaines qui parlent aujourd'hui. M. Fedorovsky dit que l'on a eu tort d'attaquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'attaquer la Russie, c'est une bêtise. Vous ne pouvez pas le faire. Bon. Mmh. Pourquoi M.
chancelière allemande va en Chine pour négocier. Parce qu'il est en manque de pétrole et beaucoup de choses. Il n'aime pas faire la guerre. On l'oblige ou il ne le fera pas. Et de plus en plus, il y a des voix qui se lèvent et qui disent l'Europe a besoin de sa souveraineté vis-à-vis d'eau, des États-Unis et des autres pays. À l'avenir, nous avons à avoir beaucoup d'eau, grands pays, à commencer par l'Inde. Grande puissance, c'est une histoire dépassée. Il y aura des puissances qui vont réagir d'ici 50 ans. D'ici 50 ans, vous voulez se préparer encore pour la guerre, quelle guerre? Mais où vous êtes arrivé avec ce que vous avez dépensé? 27 pays, en plus les États-Unis, ont aidé pour l'Ukraine. Où vous en êtes? Sauf la réponse, c'est ça. L'industrie militaire a besoin de vendre. Quoi les budgets de quel pays comme la France s'y en manque? Alors donc, il faut quand même de temps en temps revenir et regarder les erreurs qui existent chez nous et comparer avec les erreurs qui est chez les autres. Alors à propos de France, vous citiez à l'instant la France, M. Kazembadier. Paris se dit favorable à un renforcement des sanctions contre l'Iran. Paris, depuis un an, il est cavalier seul. Je voudrais envoyer des soldats sur le sol d'Ukraine. Je voudrais donner des conseils à M. Netanyahou, qui est chef de guerre. Et je voudrais en même temps être en Jordanie pour le renseignement. Mais la France, elle joue avec qui? Il faut comprendre que les gens du Moyen-Orient ont passé, ils sont deux fois, trois fois les empires. À un moment donné, ils ont tombé dans le colonialisme, mais des faits néfastes existent toujours. Les gens ont des souvenirs. Il faut revenir à la raison. Parce que vendre des armes, il faut que l'autre ait de l'argent pour acheter. Absolument, absolument. Voilà. Il n'y a pas assez d'argent. Monsieur Kazembadier, est-ce qu'il vous semble que l'Iran va être visé par une riposte? Non. L'Iran ne fera jamais premier pas dans la religion de chiisme. Il faut être battu pour avoir la force d'attaquer. C'est une stratégie qui date du premier jour de calife. Il ne sera jamais premier. Ils répondent toujours. Et quand ils répondent avec beaucoup d'études. Netanyahou dit qu'il va répondre et qu'il va répondre de façon violente. Est-ce qu'il peut dire autre chose, un chef de guerre? Un chef de guerre a la mission pour dire que je vais attaquer. Un chef de guerre, c'est sa mission. Est-ce qu'il vous semble que, tel que cela est présenté, l'Iran est suffisamment balisé? C'est-à-dire, si vous cherchez vraiment qu'est-ce qui se passe en Iran, il y a un peuple mécontent de son régime, mais qui a un peuple qui voit que ce qui ne va pas a une racine chez les Occidentaux qui n'ont pas respecté leur accord de 2015. C'est l'essentiel. Ils sont à la fois mécontents du régime et en même temps, ils voient que le régime, quand même, on ne donne pas assez de temps au régime qu'il fasse des bonnes choses. Le régime est toujours sur la défensive. N'oubliez pas en même temps que le gouvernement iranien vend son pétrole à bon prix dans les océans et avec beaucoup de moyens, y compris aux Européens. Ils le vendent par intermédiaire. Oui, voilà, depuis la guerre en Ukraine particulièrement. Je résume ce que vous nous disiez préalablement. Même si le peuple iranien n'est pas... Le peuple iranien est patient. Oui, patient. Exact. Même si le peuple iranien n'est pas satisfait du régime politique, il reste soudé et très proche de ses intérêts nationaux. Merci beaucoup, M. Kazembadier, d'avoir été avec nous. Merci, Madame de temps en temps. Je suis content d'entendre votre voix. Merci beaucoup. Merci. Kazembadier est un homme politique iranien. Il a été ministre iranien. Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère.
un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran. Le 1er février 1979, Khomeini est de retour à Téhéran. Après plus de 14 années d'exil, il confie la direction d'un gouvernement provisoire à Mahdi Bazargan. Le 11 février marque la victoire de l'ayatollah, qui s'affirme dès lors comme chef de la révolution en Iran. Cette révolution confiera ultérieurement le Shah. Cette révolution, Khomeini n'a pas pu la fomenter seul. Reza Pahlavi parlera de soutien. Il évoquera des experts qualifiés en propagande pays pour mettre en exergue et en opposition la tyrannie d'une monarchie agressive face à des démocrates libéraux et révolutionnaires qui voulaient sauver le pays. I know that top experts in propaganda were used to show us like tyrants and monsters, and the other side as democratic liberal revolutionaries who wanted to save the country. La République islamique est instituée par référendum les 30 et 31 mars. Puis, par un second référendum, une constitution est adoptée le 2 décembre suivant. Elle institue notamment un président et un parlement élus au suffrage universel direct pour 4 ans. Elle consacre la domination du pouvoir religieux sur l'ensemble des institutions avec à sa tête le guide de la révolution. Le 4 novembre 1979, en fin de matinée, quelques 400 étudiants prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plusieurs étudiants parviennent à escalader les murs d'enceinte de l'ambassade et font face aux Marines qui ont l'ordre formel de ne pas tirer en cas d'intrusion. Les militaires américains tentent de les repousser pendant près de 2 heures à l'aide de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Monsieur Warren Christopher, le négociateur américain à Alger, a multiplié ces dernières heures ses rencontres avec les Algériens. Ce matin, il était au ministère des Affaires étrangères, sans doute pour apporter les dernières réponses. Mais de sa part, c'est toujours le mutisme total. On assiste à l'ambassade des États-Unis à Alger, un extraordinaire ballet de portières, spécialistes de toutes sortes, arrivés en droite ligne de Washington avec de grosses valises bien mystérieuses. Finalement, la libération des otages est décidée en échange du dégel des fonds iraniens et de la promesse qu'aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre les autorités iraniennes. Les otages sont libérés à Alger le 20 janvier 1981, 12 minutes après l'adresse inaugurale du président Reagan. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Avant la révolution contre le Shah, les États-Unis étaient le premier partenaire économique et militaire de l'Iran. L'Iran a compté jusqu'à 30 000 expatriés américains qui ont exercé des fonctions techniques, de conseil ou encore d'enseignement. Aujourd'hui, les relations commerciales bilatérales sont limitées par des sanctions américaines. Le gouvernement américain interdit presque toute transaction avec l'Iran à travers l'application de Iran-Libya Sanction Act, loi sur les sanctions de l'Iran et de la Libye, votée en 1996. L'Iran, à l'époque du Shah Pahlavi, était un allié majeur des États-Unis et de l'entité au Moyen-Orient. David Ben-Gourion a cherché et obtenu l'amitié de l'Iran pour contrer le rejet de ce qui est qualifié de nouvel État juif par ses voisins arabes. En 1979, Khomeini renverse le Shah et établit de nouvelles règles. Avec nous pour en parler, Monsieur Alexandre Aoun, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes analyste de la géopolitique du Moyen-Orient. Commençons par la période du Shah. Comment se traduisaient les relations entre l'Iran et les États-Unis? L'Iran a fait le choix d'un positionnement, on va dire, aligné aux États-Unis. Donc, ils vont reconnaître dans un premier temps Israël. Il va y avoir une coopération économique, militaire, sécuritaire entre les deux pays. On sait que l'Iran va fournir du pétrole dans un premier temps, que les services de renseignement, que ce soit du côté iranien, le SAVAK, où le Mossad israélien vont coopérer ensemble. Sauf que dès qu'il va y avoir l'avènement de la République islamique iranienne, il va y avoir un 180, on va dire, en matière d'agenda politique et d'agenda géopolitique régional pour l'Iran, à savoir changer totalement les alliances préexistantes dans la région. La première chose que va faire l'Iran,
c'est de changer l'ambassade israélienne pour l'ambassade palestinienne. Mmh. Il faut savoir que le premier dirigeant étranger à venir en Iran après l'avènement de la République islamique iranienne en 1979, c'est Yasser Arafat. C'est le premier dirigeant étranger qui se rend à Téhéran et l'Iran veut en fait asseoir une certaine politique pro-palestinienne dans le monde arabe. Parce qu'ils savent pertinemment que pays chiite, opposé, minoritaire dans la région, une région majoritairement sunnite, se doit en fait d'avoir la sympathie, la popularité des pays arabes, ou en tout cas des populations arabes. Donc comment l'avoir à cette époque ? Bah, il faut soutenir la Palestine. Et c'est la chose que va faire l'Iran pendant des années, et même aujourd'hui, on le voit avec en soutenant les différents mouvements de résistance palestinien. En 1957, la police politique iranienne est créée avec l'aide de la CIA, puis du Mossad. En 1977, une coopération est établie pour, on va dire, la construction de missiles balistiques. Est-ce que, organiquement, le sécuritaire a suivi ces décisions qui ont été prises à partir de 1979 ? On sait que, d'un point de vue israélien, le changement de la République islamique iranienne n'a pas vraiment été suivi d'effet dans un premier temps, parce qu'il y a eu la guerre Iran-Irak, qui s'est directement enchaînée à partir de 1980, donc l'année juste après l'avènement de la République islamique iranienne. Oui. Et à cette époque, le grand ennemi d'Israël, c'est Saddam Hussein. Il faut bien rappeler que les Israéliens ont tout fait pour, par exemple, détruire les installations nucléaires irakiennes, notamment avec le site nucléaire d'Ozirak dans la banlieue de Bagdad en 1982. Et donc automatiquement, Israël, dans un premier temps, va aider l'Iran en catimini, d'une manière officieuse, à s'armer contre Saddam Hussein. Mais sauf que les choses vont faire que l'Iran va vouloir se porter garant de la sécurité des habitants chiites dans la région, notamment au Liban. Ils vont commencer à créer le Hezbollah en 1982 pour s'opposer aux incursions israéliennes, à l'occupation israélienne au Liban. Et en fait, tout ça, ils vont former corps à une politique iranienne qui va tout simplement essayer d'encercler ou en tout cas d'amener une certaine dissuasion à l'égard d'Israël et des intérêts américains dans la région. En 1979, cesse toute relation donc, mais comme vous le citiez à l'instant, il y a eu tout de même Irangate qui révèle toutefois une transaction de livraison d'armes américaines à l'Iran visant à obtenir la libération d'otages américains détenus au Liban. Donc, les canaux avec les États-Unis sont tout de même maintenus. Ils sont maintenus dans un premier temps parce que faut savoir qu'il y a une sorte de hiérarchisation de la menace. Le but était, dans un concours de circonstances, c'était la libération des otages américains au Liban et c'était également affaiblir l'Irak. En fait, c'était jouer un peu sur deux tableaux. On savait très bien que l'Occident armait l'Irak contre l'Iran. L'Iran était un peu isolé et à la fois Israël et notamment les États-Unis voulaient affaiblir Saddam Hussein dans cette guerre. Donc il fallait aider l'Iran qui avait un dispositif militaire assez obsolète, qui n'avait pas été renouvelé. L'aviation, l'artillerie étaient assez vieillissants. Donc il fallait aider un peu en catimini l'Iran à s'opposer à Saddam Hussein, qui était, comme je le répète, l'ennemi numéro un à cette époque contre Israël. La première salve de roquettes remonte à l'époque de Saddam Hussein. 39 missiles Scud lancés contre Haïfa notamment, en pleine guerre du Golfe en 1991. Fondamentalement et à la base, la démarche des Iraniens et des Irakiens pourrait être similaire si l'on tient compte de ce qui s'est passé cette semaine. Oui et non, parce que la démarche de Saddam Hussein était d'envoyer un message tout simplement au monde arabe, de se dire qu'il fallait lutter contre, pour reprendre le vocable irakien et arabe de l'époque, contre l'ennemi sioniste. L'Iran riposte à une attaque qui a été commise sur son consulat en Syrie à Damas. Donc il y a quand même des divergences là-dessus. Saddam Hussein était isolé, l'Iran est également isolé, mais l'Iran dispose de nombreux relais dans la région, ce qui n'était pas le cas de Saddam Hussein. Vous expliquez dans un récent article qu'en 2010, avec l'aide de la NSA, National Security Agency, le programme nucléaire a été dans une démarche pris pour cible afin d'être démantelé. Aujourd'hui, nous assistons, n'est-ce pas, à une coalition afin de démembrer l'Iran ? Pas de démembrer l'Iran, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on le voit, on l'a vu, par exemple, avec les récentes attaques iraniennes contre le territoire israélien. Il y a une coalition qui s'est mise en place, avec notamment l'aviation israélienne dans un premier temps, l'aviation britannique, la Royal Air Force, l'aviation américaine, l'aviation jordanienne et les renseignements aussi, de manière officieuse, émiratis et saoudiens.
pour pouvoir capter et abattre et intercepter les différents drones et missiles tirés par l'Iran. Cette coalition était défensive. Joe Biden l'a bien rappelé récemment que si il y avait une aventure militaire israélienne contre l'Iran, les États-Unis n'interviendraient pas. Paradoxalement, l'Iran abrite la plus forte communauté juive du Moyen-Orient. Oui, en effet, il faut se dire que c'est quelque chose que peu de médias mettent en avant. Il y a des synagogues à Téhéran et il faut se dire que au lendemain de la première guerre israélo-arabe en 1948, les juifs irakiens ont trouvé refuge en Iran. Oui. C'est une information que peu de médias occidentaux mettent en avant parce que on a tendance à simplifier le conflit en disant que l'Iran est contre Israël, donc contre les juifs, alors ce qui n'est pas du tout le cas parce que c'est la plus forte, comme vous l'avez expliqué dans votre question, la plus forte communauté juive au Moyen-Orient outre Israël, c'est à Téhéran. Monsieur Alexandre Raoun, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour votre invitation. Le Hezbollah a annoncé ce mercredi 17 avril avoir pris pour cible l'unité de surveillance aérienne au nord de la Palestine occupée. L'opération intervient en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance. Elle constitue également une riposte aux agressions israéliennes contre les villages et les maisons civiles dans le sud du Liban, rappelle Hassan Nasrallah. Lorsque l'attaque contre Gaza cessera et qu'il y aura un cessez-le-feu, les tirs s'arrêteront également dans le sud du Liban. Que personne ne pense que le Liban est faible et effrayé ou qu'Israël peut imposer ses conditions. Et c'est dans ces circonstances d'extrême tension que Mohamed Desroura a été retrouvé mort mardi dans sa maison à Beit Meri, atteint d'au moins 5 balles. En août 2019, le Trésor américain avait annoncé des sanctions contre plusieurs personnes dont Sloor, accusé de faciliter le transfert de dizaines de millions de dollars de la force Al-Quds à travers le Hezbollah libanais. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Salah Hijazi, vous êtes journaliste libanais. Monsieur Salah Hijazi, cet assassinat intervient, je le disais il y a cela quelques instants, il intervient dans des conditions plutôt particulières de tension. Écoutez, il ne fait aucun doute que l'assassinat de Monsieur Sroor intervient dans un contexte où les tensions montent au Liban Sud et où Israël et le Hezbollah essayent de diversifier les fronts. Donc, en plus de la guerre militaire avec les bombes et les missiles, il y a aussi la guerre de renseignement. Israël a déjà assassiné plusieurs membres du Hezbollah, mais c'est la première fois que l'assassinat intervient de manière aussi digne d'un polar. Vous voyez, c'est un assassinat qui n'a pas eu lieu avec une bombe ou un drone, mais bien qui a été fait par les mains du Mossad. Alors, vous dites que ce n'est pas le premier assassinat. Au total, il y a eu combien d'assassinats orchestrés par le Mossad au Liban ? Écoutez, le Hezbollah a déjà perdu plus de 250 membres depuis le début de la guerre. La majorité d'entre eux sont des combattants lambda, mais il y a eu une vingtaine d'assassinats et d'opérations ciblées qui ont visé des cadres, des commandants militaires haut gradés. Il est difficile, par contre, de faire la distinction entre un assassinat et un bombardement, entre guillemets, normal. Oui. Parce que on ne connaît pas toujours le statut de la victime ou son rôle dans le parti. Le Hezbollah est particulièrement discret sur ces questions-là. Donc, un combattant lambda s'avère quelques jours plus tard être un haut gradé ou une personnalité stratégique pour le Hezbollah. Mais c'est une vingtaine en moyenne. Selon le ministre de l'Intérieur, les premières conclusions de l'enquête indiquent que l'assassinat a été orchestré par le Mossad. Le Mossad a infiltré plusieurs sphères de la société libanaise. C'est ainsi que de hauts dirigeants du Hezbollah ont été pris pour cible. Comment expliquer ces failles existantes aujourd'hui ? Clairement, même avant l'assassinat de Mohamed Sroor, l'assassinat par exemple du numéro 2 du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth il y a plusieurs mois a montré clairement que les Israéliens avaient la capacité de mener des opérations à l'intérieur du territoire libanais, même dans les forteresses du Hezbollah. On évoque la crise économique, la porosité de la frontière pour expliquer cela.
Monsieur Sabah Hijaz et Mohamed Sroor a été visé, rappelons-le, par les sanctions américaines. Il a été indiqué qu'il travaillait pour les institutions financières du Hezbollah. En août 2019, le Trésor américain avait annoncé des sanctions contre plusieurs personnes, dont Sroor, accusé de faciliter, je cite, le transfert de dizaines de millions de dollars de la force al-Quds à travers le Hezbollah au Liban et au Hamas. Aujourd'hui, c'est une opération coordonnée sécuritaire qui est menée contre des éléments du Hezbollah et contre les éléments du Hamas au Liban. Oui, effectivement. Ahmad Sroor travaillait pour Qard al-Hassan, qui est la banque du Hezbollah. Selon les informations disponibles lorsqu'il a été capturé dans une villa à Beit Mérès, vers laquelle il a été attiré, les assaillants l'ont torturé, d'où le fait qu'il ait eu 10 balles dans ses deux jambes qui étaient retrouvées, et ont essayé d'extraire des informations concernant ses contacts par hasard. Les gendarmes avec lesquels il travaille dans la bande de Gaza et les membres de Hamas avec lesquels il travaille. Quels sont les premiers éléments de l'enquête à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Est-ce qu'il y a des pistes, on va dire, internes au Liban à ce propos? Ce que l'on sait, c'est qu'une femme a contacté M. Sroor et a affirmé qu'elle était libanaise, qu'elle s'appelait Zainab Hamoud et qu'elle souhaitait recevoir un transfert depuis l'Irak. On ignore qui est cette personne. On ne sait pas si elle est vraiment libanaise ou pas. Ce que les renseignements essaient de faire, c'est de croiser les caméras de surveillance qui montrent les assaillants entrer dans la villa et les caméras de surveillance de l'aéroport pour essayer de voir si c'est des citoyens étrangers qui sont rentrés au Liban, qui ont quitté le pays. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Donc cette personne a eu le numéro de téléphone de Mohamed Sroor, a eu les contacts de Mohamed Sroor pour pouvoir le contacter, selon les informations que j'ai, et là je parle sous votre contrôle, plus d'une fois, avant de lui fixer rendez-vous et de l'isoler de Beyrouth. Oui, effectivement. Il semble qu'il y ait eu un contact, même un transfert d'argent réussi entre ces deux personnes. De manière à mettre en confiance Mohamed Sroor. Exactement. Est-ce que ces infiltrations sécuritaires, est-ce que ces manquements sécuritaires, est-ce que cette situation sécuritaire, appelons-la ainsi parce que dans une situation d'instabilité, on ne peut pas parler de manquement, est-ce que cette situation sécuritaire a un impact direct sur ce qui se passe au sud du Liban? Oui, écoutez, la multiplication des opérations d'assassinat met clairement le Hezbollah dans une situation difficile et montre clairement que les Israéliens arrivent à obtenir des renseignements précieux. Donc le Hezbollah essaye de limiter les failles ou les manquements, comme on pourrait dire, par exemple en demandant aux citoyens au Liban Sud d'éteindre les caméras de surveillance ou de les déconnecter d'Internet. Même dans un de ses discours, le secrétaire général du parti a demandé aux habitants des villages frontaliers de se débarrasser de leur téléphone portable. Le Hezbollah, habituellement, dans des conditions telles que celles d'aujourd'hui, utilise des moyens de communication très traditionnel. Le Hezbollah, utilisant son background, notamment dans le renseignement, n'utilise aucun moyen connecté pour ne pas être pisté, entre guillemets. Le Hezbollah a son propre système de télécommunication parallèle à celui de l'État libanais, qui serait relativement hermétique. Mais encore une fois, la multiplication des opérations d'assassinat montre que les Israéliens ont peut-être l'avantage technologique. Et ont peut-être réussi à infiltrer ou au moins à décoder ces moyens de communication. Monsieur Sabah Hijazi, ce sera ma dernière question. Est-ce que le Hezbollah agit autant? Autant les Israéliens, ou en tout cas les forces d'occupation infiltrent le Hezbollah, autant ce dernier fait de même. Je vous pose la question, car les dernières opérations sont tout de même probantes. Pour le moment, rien n'indique que le Hezbollah à ce genre de renseignements, puisqu'il n'a pas mené d'opération d'assassinat à l'intérieur d'Israël. Donc on ne peut pas trancher. Mais il arrive, je pense, à obtenir des images ou des renseignements qui lui permettent de préciser ses cibles, parce qu'il vise des bases militaires, il vise des bases stratégiques. Mais pour le moment, ce qui ressort de la situation sur le terrain, c'est que l'avantage technologique et au niveau des renseignements est plutôt vers Israël. Retour à notre premier volet de cet entretien, au sujet de l'assassinat de Mohamed Sroor. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Pour le moment, non. Monsieur Hijazi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir amené tous ces éléments d'information. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Bye-bye. Les assassinats ciblés ne sont pas une pratique nouvelle. Les forces d'occupation, l'entité sioniste, a d'ores et déjà pris pour cible des scientifiques et des chercheurs.
Le 11 janvier 2012, le scientifique Mostafa Ahmadi Roshan, travaillant sur le site de Natanz, dont il était le vice-directeur pour les affaires commerciales, est tué lors de l'explosion d'une bombe magnétique placée sur sa voiture dans l'est de Téhéran. Le 23 juillet 2011, le scientifique Dariush Reza Enejad, travaillant sur des projets du ministère de la Défense, est tué par balle par des inconnus à moto à Téhéran. Le 12 janvier 2010, le physicien nucléaire Massoud Al-Mohammadi meurt après l'explosion d'une moto piégée devant son domicile à Téhéran. Le 29 novembre de la même année, Majid Shahriari, fondateur de la société nucléaire d'Iran et chargé d'un des grands projets de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, est tué à Téhéran par l'explosion d'une bombe placée contre sa voiture à l'aide d'un aimant. Les autorités iraniennes pointent du doigt l'entité sioniste qu'ils accusent d'être derrière l'assassinat du physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh. Le président iranien évoque un piège, celui de la conspiration. La nation iranienne est trop intelligente pour tomber dans le piège de la conspiration mise en place par les sionistes. Ils pensent à créer le chaos, mais ils devraient savoir que nous les avons démasqués et qu'ils ne réussiront pas à atteindre leur objectif maléfique. Ces opérations de liquidation physique ont d'abord visé le pays voisin, frère ennemi de l'Iran, l'Irak. Des rapports documentés indiquent qu'à partir de 2003, au moins 3000 universitaires ont fui leur pays. Un rapport compilé par le département d'État américain a déclaré que les agents israéliens et étrangers envoyés à Bagdad par le Mossad en coopération avec les États-Unis ont tué au moins 350 scientifiques irakiens et plus de 200 personnalités académiques et de professeurs d'université. De façon paradoxalement croissante, le nombre d'étudiants se rendant en cours dans les universités de Bagdad a chuté des deux tiers. Le berceau de la civilisation, terre de naissance de l'écriture, de la construction, des premières villes de l'humanité, des grandes bibliothèques, pôle de la première réflexion philosophique sur l'homme et son destin, est envahi, pillé, éviscéré. L'auteur de Parfums d'Irak évoque un pays qui s'effondre. Depuis 2003, moi c'est un Irak qui s'effondre, que je vois d'année en année. C'est vraiment un maelstrom, c'est un tourbillon et l'Irak descend. Et encore aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de base sur laquelle on peut reconstruire le pays. Lorsque les Américains sont arrivés en 2003, ils ont déstructuré le pays. En fait, l'État est une coquille vide. Aucune puissance concurrente ne devait exister dans la région. Il fallait laminer toute velléité de démonstration de force, y compris celle menée dans le cadre de recherche. En 1976, l'Irak avait acheté aux Iraks un réacteur nucléaire de classe Osiris à la France. Celui-ci devait servir à des fins d'investigation scientifique et non militaire, mais cette manœuvre n'avait pas le quitus nécessaire. Le 7 juin 1981, le réacteur nucléaire d'Osirak, situé à 17 km au sud-est de Bagdad, est bombardé par 8 F-16. Deux semaines après l'attaque, Israël admet qu'elle a déjà la capacité de développer ses propres armes nucléaires. Dans le documentaire Mossad, l'histoire secrète d'Israël, Gérard Bontron, ancien directeur du site, témoigne des pressions qu'il a subies pour stopper sa collaboration. C'est une voix arabe qui me prévient en français avec un accent. Nous, on s'en prendra à vous, à votre famille, des choses de ce genre. Je suis saisi par le fait qu'on me téléphone chez moi. Ça, c'est quand même, on me téléphone chez moi, à mon domicile. Donc là, ça me fait de la pression. On n'est plus comme au tout début de l'affaire. On sait qu'Israël se remue beaucoup contre ce projet. Le Mossad est évidemment rapidement évoqué comme possibilité. De l'aveu des auteurs de ces pratiques, les assassinats contre des scientifiques et des chercheurs ne font rien de plus que renforcer la volonté de lutter contre une hégémonie grandissante. Vouloir effacer de la mémoire collective une injustice commise au nom d'une prétendue autre dérive n'est rien de plus qu'un leurre. Imputer sa responsabilité à une tierce partie, sacrifiée sur l'autel de la lâcheté et des silences complices, c'est enfoncer une grosse poignée de gros sel dans une plaie béante, la refermer, puis à distance, laisser pourrir,
voir souffrir et entendre gémir. Il n'y a pas d'homme irremplaçable. C'est pour cela que je pense que ce n'est pas une bonne méthode et qu'elle n'est pas conseillée. Elle peut provoquer plus de dommages que de bénéfices. Participer à ce programme, Alexandre Aoun, analyste de la géopolitique du Moyen-Orient. Kazem Vadi, diplomate et ancien ministre iranien. Saleh Hijazi, journaliste libanais. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli, Marim Abdou vous a accompagné au micro. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 16h, Inch'Allah.